Bonjour à vous tous, à vous toutes. Merci de rester fidèles à ce rendez-vous tous les 2 ans pour vous présenter nos nouveaux ouvrages. Rappelez-vous, l'aventure a commencé en 2012. On a commencé avec le champignon, les variétés de champignons, recettes de champignons. 2 ans plus tard, c'était 2015. On continuait avec les herbes, toutes les herbes sauvages, comment aller les chercher dans la nature, comment les préparer. Comment parfumer votre cuisine? 2 ans plus tard, 2018, c'était légumineuses et céréales. Très intéressant au niveau de la nutrition santé, puis bien sûr tous ces goûts avec les épices. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les légumes. Alors, les légumes, un univers très varié. Les légumes, un univers extraordinaire. Les légumes du jardin. Alors, c'est une grande famille, comme les champignons, les herbes. Vous avez à la fois les légumes feuilles, les épinards, les blettes, à la fois les légumes fruits, les aubergines, les tomates, les légumes fleurs, tout simplement le chou-fleur, les légumes racines, ah, ces belles carottes, ces belles racines, le panais, les navets également. Puis vous avez les tubercules, la fameuse pomme de terre. Et puis vous avez aussi les bulbes. Hein. Les bulbes, vous avez le fenouil, les oignons, les légumes-tiges, l'asperge, le céleri. Et puis d'autres légumes qui sont considérés aussi comme légumes. Vous avez à la fois les champignons qui est considéré dans la variété, dans la catégorie des légumes, les herbes, bien sûr, et les salades. Nous avons beaucoup de chance avec la nature et d'autant plus que grâce à mon fils Jacques, qui a initié ce projet de jardin depuis déjà maintenant plus de 5 à 6 ans, nous avons toujours des légumes frais et puis bien sûr les légumes du marché. Alors, pour nous, la qualité du produit est indispensable. Ce sont des légumes bio, bien entendu, sans pesticides, sans traitement phytosanitaire. Ça, on vous le doit. Et pour vous, c'est important d'aller sur les marchés, justement, discuter avec les producteurs, qu'ils fassent bio ou pas, mais comprendre un petit peu leur culture. Ces légumes, ce sont vraiment des mines d'énergie. Les légumes vous procurent à la fois des vitamines, des antioxydants, et surtout, les légumes, il y a beaucoup de fibres, comme les fruits d'ailleurs. Et c'est ce qui vous permet d'assimiler, bien sûr, ces vitamines, ces oligo-éléments, etc. Et puis d'assurer une bonne digestion. Donc, mangez du légume. Vous savez comme c'est magnifique, les tomates sont de différentes tailles. On est dans le culture bio, bien entendu. Vous avez les grappes, vous avez les plus grosses, les tuteurs qui tiennent ce poids de tomates. Des variétés différentes, la Green Zebra, vous avez aussi la Noire de Crimée, la différentes. Et puis des abeilles, des insectes. Voilà. Et quand on goûte ça, c'est vraiment des. Des bonbons. Et surtout, on ne les met jamais au frigo, les tomates. Telles quelles. Alors, comment cuire vos légumes? Il y a toute une variété de cuissons pour cuire les légumes. Moi, ce que je vous préconise, c'est quand même, pour certains, surtout les légumes verts, de les garder légèrement croquants parce que vous avez d'abord le croquant qui est intéressant, puis surtout, vous gardez toutes les valeurs nutritionnelles de ce produit. Il y en a d'autres. Forcément, par exemple la pomme de terre, forcément, que ce soit en purée ou sautée, il faut qu'elle soit cuite. Il y a deux choses. Il y a déjà garder les valeurs nutritionnelles des produits, puis il y a aussi la couleur. Par exemple, pour les légumes verts ou autres, il y a une façon de les cuire qui permet de garder cette belle couleur verte. Voilà, je vous invite à partir dans cet univers des cuissons, des légumes, variez vos cuissons, c'est ça qui est intéressant. Et variez vos légumes avec les saisons. Alors, une des premières cuissons, la cuisson à l'anglaise ou la cuisson à l'eau, c'est celle qui est le plus utilisée. De l'eau, 10 à 15 grammes de sel au litre. Et pour les légumes verts, vous allez en mettre dans cette eau bouillante. Vous voyez, très peu de légumes. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des bulles qui se forment à la surface. Hein, si. C'est tout l'oxygène qui rentre dans les légumes et qui vous permet de garder ce légume vert.
Et quand il est cuit, la première chose à faire, c'est de l'égoutter, de le mettre dans un cul-de-poule, une bassine avec de l'eau froide, voire glacée. Et le choc température du chaud au froid vous permet de garder la couleur verte du légume. Puis vous avez la cuisson à l'étuvée. Vous faites cuire, par exemple, une carotte avec un petit peu d'eau, un peu de matière grasse, beurre ou un peu d'huile, et vous faites cuire tout doucement dans leur propre eau. On peut les cuire aussi poêlés. Alors, c'est plus pour les légumes un peu plus tendres. Là, j'ai mis de la courgette jaune, un peu de poivron, un patisson. Vous salez un peu en fin de cuisson. Poivre légèrement si vous le souhaitez. Et vous avez des légumes qui ont gardé tout leur goût, qui ont ce côté un petit peu caramélisé. J'aime beaucoup le faire avec ces légumes un peu tendres. C'est bien sûr des légumes qu'on peut cuire au wok également. Et on peut cuire aussi vapeur. Forcément, à la vapeur, on garde vraiment toutes les qualités nutritionnelles, vitamines ou autres, du légume. Là, j'ai mis quelques carottes, j'ai mis des brocolis, des choux-fleurs. Et on salera en fin de cuisson. Et vous avez la cuisson aussi grillée. On peut le faire pour les pommes de terre, pour les tomates, pour les carottes, les aubergines, les courgettes, c'est formidable. Alors la recette aujourd'hui, bah, c'est un mélange de tous ces légumes. Nous ici, on appelle ça le fricot de légumes. Vous avez à la fois les légumes qui sont cuits dans l'eau, ceux qui sont cuits vapeur, ceux qui sont cuits au wok, ceux qui sont cuits poêlés, d'autres grillés, une petite touche de sel, légèrement de poivre. On va rajouter une pointe de persil haché. Il ne nous reste plus qu'à dresser ce légume. Là, vous avez un caviar d'aubergines, des aubergines qui sont cuites à couvert pour garder la couleur de la pulpe, qui vont donner un peu de liant aux légumes. Et comme nous sommes en automne, préparez quelques champignons. Alors, du chou, cœur de bœuf. C'est la nature qui parle. On monte tout ça en dôme, tous les légumes grillés, les beaux haricots verts du jardin, les carottes, bien entendu, brocolis, fenouil, pâtissons, chou-fleur, un petit radis, poivron pour le goût et la couleur, poivron jaune. Voilà, c'est la recette vraiment du jardin. Puis on va ajouter quelques champignons. C'est un fricot de légumes d'automne. Quelques chanterelles modestes. Deux ou trois épinards cuits à poêle, directement tombés à la poêle. On finira par des légumes crus, champignons crus. Feuilles de basilic, la petite fleur de carotte, fleur de sauge, une petite tagette pour le piquant, une petite goutte d'huile d'olive pour terminer.
Voilà notre fricot de légumes d'automne. Maintenant, je vous donne rendez-vous tous les 15 jours en cette saison d'automne pour vous parler légumes et surtout champignons. Et puis, à bientôt pour le prochain livre qui sera sur les fruits, avec une note plus sucrée, encore plus colorée.